On nous demande ici de reconnaître quelle partie du tout est coloriée en bleu. Ici, le plus simple, c'est de s'imaginer ces carrés-là et nous voyons que 5 de ces 9 carrés sont coloriés en bleu. Donc la fraction cherchée, c'est 5 neuvièmes. Dans ce dessin-là, le plus simple, c'est de s'imaginer tous ces triangles-là et nous constatons que 7 de ces 9 triangles sont coloriés en bleu. La fraction cherchée, c'est donc 7 neuvièmes. Dans ce dessin-là, le plus simple, c'est de s'imaginer ce petit carré-là et nous constatons que sur ces 8 carrés en tout, il y en a 1, 2, 2,5, 3 qui sont coloriés. Donc la fraction cherchée, c'est 3 huitièmes. Dans cette situation-là, nous traçons d'abord les deux diagonales du carré bleu et nous constatons que ce triangle rectangle, il va 4 fois dans ce carré bleu, mais 8 fois dans le carré entier. Par conséquent, la fraction que nous cherchons, c'est 4 huitièmes. Fraction qu'on peut encore simplifier. Elle vaut un demi. Regardons cette situation-là. Les secteurs coloriés, ce sont des douzièmes du disque. Donc, imaginons tous ces douzièmes et nous voyons que 1, 2, 3 douzièmes sont coloriés. Par conséquent, la fraction cherchée, c'est 3 douzièmes. Fraction qu'on peut encore simplifier, elle vaut un quart. Et voilà, l'exercice est terminé.